Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ouais, donc là, comme tu peux le constater, c'est le deuxième match nul du Paris Saint-Germain. Et je vais pas vous mentir, là, ça commence à me courir sur le haricot. Là, je comprends pas ce qui se passe entre l'arbitre et le Paris Saint-Germain. Si les arbitres, ils veulent faire une équipe et jouer contre le Paris Saint-Germain, on vient, on les fracasse bien comme il faut, on leur met 9-0, ils viennent. Mais qu'est-ce qu'ils ont à sortir des cartons jaunes à tout va et pour du grand n'importe quoi? Qu'est-ce qu'on a pu voir aujourd'hui? Hein? On a pu voir le grand club du Paris Saint-Germain se déplacer dans une ville de Reims, voilà, qui a historiquement, on va pas se mentir, une grande histoire footballistique, mais c'était dans le siècle dernier. À partir d'aujourd'hui, là, quand tu regardes Reims, tu te dis c'est quoi ça? Tu te dis c'est une équipe qui va se faire rincer? Mais oui, mais quand tu vois que les arbitres mettent le maillot des équipes adverses lorsque c'est le Paris Saint-Germain, c'est du grand n'importe quoi. De toute façon, hein, il y a à chaque fois, hein, il y a des matchs références où on peut dire que les arbitres ont clairement volé le Paris Saint-Germain. La remontada. Hein? Combien de fois le Real Madrid, on est parti chez eux, les arbitres, ils sifflent des pénaltys, ils mettent des cartons, ils utilisent la VAR 3 minutes avant. On sait très bien que les arbitres, ils ont la haine contre le Paris Saint-Germain. Mais maintenant, il faut que vous nous expliquiez pourquoi vous avez la haine contre nous. Si vous voulez qu'on fasse un match ou bien un combat avec tous les joueurs du Paris Saint-Germain contre les arbitres, vous nous expliquez. Parce que là, aujourd'hui, comment tu m'expliques que l'arbitre, il sort un carton jaune sur Ramos? Sergio Ramos, il ne touche même pas le joueur de Reims. Et là, tu lui mets un carton jaune. Il vient te demander pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi. Là, tu sors le carton rouge. Bon, j'avoue, il a un petit peu insulté ta madré. Ouais, il a dit un truc sur ta madré. Mais c'est normal! Pourquoi tu sors le carton jaune? Hein? Et après, tu vas mettre le carton jaune à Verratti. Tu mets, il est parti même mettre des cartons jaunes à des gens qui sont dans le public, aux supporters. Il a mis des cartons jaunes à tout le monde, au staff, même à ses coéquipiers. Il a, tu vois, l'arbitre de touche, l'arbitre là, du rond central, il est parti mettre un carton jaune même à celui qui fait les hors-jeux. Il a mis des cartons jaunes à tout le monde. Tous ceux qui étaient pour le Paris Saint-Germain ou qui disaient « Ouais, le Paris Saint-Germain !» Eh bien, ils mettaient des cartons jaunes. C'est du grand n'importe quoi. De toute façon, on a pu constater que cet arbitre, voilà, c'était un adepte du carton. Voilà, la dernière fois, il en a mis je ne sais combien. Là, juste sur ce match, on est à 10 cartons. Juste avant le match, il en était à 21. Ça fait 31 cartons en même pas 2 mois de compétition, de championnat. Tu te rends compte? Hein? Lui, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait le concours du carton? Il pense que quoi? Le carton, ça fait partie de c'est, je sais pas ce qu'il pense. Il pense que les cartons, c'est de la magie? Hein? On peut sortir le carton et puis voilà, le jeu, il va continuer. Il a arrêté le jeu toutes les 30 secondes. Il est nul! Voilà, donc, voilà, on a vu que, quand on avait des arbitres qui étaient nuls, bah automatiquement le Paris Saint-Germain fait des matchs nuls. Donc là il y a eu 0-0. Voilà, on a pu constater que quand les arbitres veulent se mettre contre le Paris Saint-Germain, ils enfilent le maillot de l'équipe adverse et ils mettent des cartons à tout va. Donc nous, heureusement que Neymar n'a pas joué depuis le début du match, parce qu'on a vu clairement que l'équipe de Reims était là pour blesser tous nos joueurs. Voilà, heureusement que là on n'avait pas mis nos stars un petit peu sur le terrain et que Mbappé n'a pas trop, Mbappé n'a pas trop, tu vois ce que je veux dire, porter le ballon. Mais sinon là, on a vu qu'ils voulaient tous nous blesser, alors que nous on joue dans la semaine là, en Ligue des Champions.